Excuse-moi. Alors attention à ton pied lourd. Ouais, mon pied est super lourd. Ouais. Non, c'est bien ça. Caresse que t'as ça. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est moins propre qu'à droite, mais c'est bon. Maudit pied gauche. Putain de virage engagé. C'est bien récupéré, mais attention, t'as mis à gauche. C'est bon. Bon, le pied droit. Bon, le pied droit. Voilà. Pas trop. Pas trop. Je touche à peine. Hein. Attention, attention à ta symétrie. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou cette histoire de pied gauche. C'est à gauche, ça va. À droite, ça va. De toute façon, on tourne comme des merdes. Non, merde. Qu'est-ce qu'il faut, tu dois pas. On est largement dans les compresseurs. Pour moi, c'est plaisir, là. Ouais. T'as rien à craindre. Oh, c'est quoi ça? C'est un golf ou des cultures? Il y a on dirait des cercles de culture. Oui, tout à fait. C'est une irrigation en cercle. Quand on le prospect Pompéo, c'est là, ça reste sur l'intention à ce que va se dire. Par les minutes, il y a des pas dans le microphone. Voilà. Voilà, c'est bien récupéré. Ça, ça sera. Voilà, on a 1h10 de vol. Hein. Ouais, on peut se rentrer si tu veux. Non, c'est toi qui es le stop. Ouais, ça va. À partir d'une heure, on n'apprend plus grand chose. Ouais, je pense que c'est, t'as raison. Okay. Et c'était bien. C'était très bien. Voilà, t'as tout en progrès. Non, mais hier c'était bien aussi. Ouais, on progresse. Mais hier, on a volé. J'ai volé le plus tard, j'ai volé le dernier. Ouais. Et on a quand même brassé du planeur. Absolument. Quand même. On a fait beaucoup de droite, on a fait de chevaux. Et là, tu vois, j'ai sorti les pieds, pas tout seul, là, avec le monde. Hein. Ouais, bah ouais. Encore une fois, fais attention aux bases, c'est-à-dire à la symétrie, ça c'est vachement important, et à la sienne. Bah oui. Un planeur, ça se pilote avec la queue. Qu'est-ce qu'il pilote avec la queue? Un planeur. Ah, oui, le planeur. D'accord. Attention, il y a des variations d'assiette, il y a des turbulences. Il y a un peu de turbulence, oui. C'est normal. Tu vois, corriger, adapter, on a dit, aux turbulences. Non, c'est ça. J'ai quasiment eu cru que tu avais pris les commandes moins 5, voilà, moins 3, non, c'est bon. Tiens, on peut essayer d'aller vers celui-là pour s'orienter vers le terrain. Ça va nous faire une sécurité, un backup au cas où. Symétrique, c'est parfait, tu vois, tu réfléchis plus, là c'est bon. Quand là c'est naturel. C'est ça, ne réfléchis plus, Mike. Non, mais là c'est naturel. Ne pense plus. Non, mais tu arrives à un stade, c'est bien. Comment on dit? Ton cerveau, ça y est, c'est excellent. Tu dis, ne pense pas, va bosser. Bosse, best of one, bosse. C'est bien. Consomme. Là, tu es tranquille, tu ne pas stressé, c'est bon. Tu
pilote naturel là, ça c'est très bien. Oui, ça va parfaitement. Chasser le naturel, il revient au galop. Oui, tout à fait, ça revient. Faites gaffe. Le naturel de pilotage revient au galop. Ouais, mais si t'en parles, tu risques de le chasser. Ouais. Ah oui, tu auras l'autre naturel. Le pire du Mike, tu sais. L'horrible, l'horreur. Le trim est pourtant bien réglé. Hein. Ah oui, les altos Stratus. C'est de la glace. C'est de la glace d'eau. Bon, c'est bien, mais je crois que la piste elle est vers là-bas. On va se mettre là-dessous deux secondes. On a l'altitude. Ça va brûler un peu. Ok. Je vois qu'il est un petit peu défait. Un petit peu chevelé. Ah ouais. Ça va bouger un peu. Mais je m'en fous, je laisse. Je suis moi, j'ai pied. Je touche plus à rien. Tu fais pas comme Duluc, hein. Tu dors pas. Je dors. Lui, il dormait. Ouais. D'accord. Mais c'était bien. Ouais. C'était bien qu'il dorme. Pas cool. Regarde les baigneurs là-bas. Maintenant, je sais pas s'il dormirait. Ouais, ouais, on voit les baigneurs sur le lac. Pourtant, depuis qu'il était vachement nerveux, hein, comme toi. Allez, on va ça. Oh putain! Allez, elle me tente. Ouais, ouais. Mais elle me chasse. Ah oui, salope. Ça, c'est sûr. Elle vient. C'est la fin. Je peux pas voir. Je peux pas leur faire le droit, s'il te plaît. Ouais. Voilà, c'est mieux. Ok. Comme ça, voilà. Et re 3 mètres. Allez. Je le vois. Enfin, je vois un truc. C'est un planeur. Ouais. Je suis sorti de toute façon. Je suis sorti du truc. Ouais, oui. Je me remets un peu en ligne de vol. Deux secondes. Voilà, ça c'est bon. Et je le reprends par la gauche. Attention à ton pied gauche, là. Ben, il va bien, je suis centré. Ça va pour l'instant. Non, on l'a tout de suite là. Ah non. Voilà. Je vais refixer ce lame de l'aide avant qu'on repart. Ça m'en perd beaucoup. Tu voles avec qui là? Ça va, c'est bon. Ah oui, t'as un VI? Non, j'ai personne pour rappel. Mais avant que le planeur reparte. Ah oui, d'accord. Mais je me laisse pas engager. Oui, d'accord. Mais je me suis pas laissé engager. Il trace. Mais il trace pas. C'est pas de chez nous, ça. C'est qui? Ça, c'est un super bête. C'est un GS3. Mais il est bas. Alors attention, ça fait l'impression aussi. Et il est Bordeaux, Socat, tu veux dire? Il est super bas. Putain, il y a un truc là. Au moins 500 mètres. Au moins. Ouais, mais enfin 500 mètres. Ouais, du terrain, c'est bon. On va voir ce qu'il fait. Pardon? On va regarder ce qu'il fait. Oui. Ça m'intéresse. Allez, go. Dans son ton pied, putain. Oui, mais je fais doucement. Elle va se rouler là, tous les coups.
Ça monte de partout. C'est couillu quand même. Hein. C'est couillu, ouais. Ah, c'est couillu, ouais. Ah, ouais. Ça y est. Ça y est, il a pris. D'accord. On va tourner avec lui. Fermé. Bah oui. Ça le rejoint là-bas. Il a fait quelque chose. C'est tout de suite. Hein. Tout droit. Tout droit. On a dit, il appelle sa mère. Là. Ah, c'est ça, il a pris. Que je le corrige. Ouais, que le dompté. Ah, c'est pas lui qui commande, c'est toi qui commande. Ah ouais. Vas-y, à droite. Dans sa pompe. Va dans sa pompe. Ben j'y vais. Mais oui, j'y vais, tranquille. C'est un L6. Mais je suis pas dans le même sens que lui. Non, je suis à l'envers de son sens. Ah oui, t'as raison, je suis dans le sens. Allez, c'est parti. Tu m'étonnes, ouais. À la fin de service, toi, carrière de grave, tout avant, bas, carrément bas, vertical. Ouais. Ça, c'est une sorte de pompe, la pompe de service. Ah, pompe de service, ouais. D'accord. C'est quand tu viens de Montpont ou n'importe où. Même l'hiver ? Putain, mais c'est... Oh putain, mais c'est un machin. C'est un amélioré motorisé. Oh ! Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va regarder, bouge pas. On va se voir ce que c'est. On dirait un Atis. Un petit panneur. Un Atis. C'est un 13 mètres d'envergure, on va voir. Continue à virer. Je tente. Pour savoir qui c'est. Ça va ? Ouais, mais bon. Je suis en train. Je me règle, je me. 13 mètres d'envergure. Normalement, il doit avoir un petit moteur dans le nez. Ah, les mecs. Ils ont du luxe. Ah, ouais, voilà. Les couilles motorisées. C'est ça, c'est un petit motorisé. Les pales sont taquées sur le nez. Ouais, d'accord, c'est la dernière technologie, quoi. C'est pas un 15 mètres, c'est un 13 mètres. Tu connais les uns par cœur. Ouais, il est pas très bon. Là, normalement, il devrait être mis au cœur. Tu vas lui montrer ? Ah, si tu veux. Là, il est là, voilà. Elle est pas très, ouais, très pas forte. Énorme, hein. Pas. Attends, mais c'est plus vrai, c'est bon. Elle est beaucoup léger, bien sûr. Allez, on va s'en aller là. Ouais. On finit notre tour, on va vers la piste. Je vais savoir plus bien. Si t'as un arcachon, je vais quand même arcachon. On verra ce soir sur la déco. Touriste. Allez, on peut rentrer. Allez, on va se faire une petite interro. Allez, c'est bien, c'est un bon jeu. Ah, merci, t'es gentil, mais... C'est la machine, hein. Faut sentir sa machine. Exactement. C'est... Sentir sa machine. Sinon, ça marche pas, hein. Si t'es pas à l'aise avec tes ailerons, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. De pratique. Ouais, voilà, faut s'habituer. C'est comme un canasson. Ouais, les bourrins, c'est pareil. Pareil. En fait, le cerveau, tu vois, c'est s'imprégner. S'imprégner. Ah ouais. Donc, bizarrement, c'est pas comme le vélo. Hein. Ça se perd. Mais je te dirais, le vélo se perd. Hein. Parce que mon père s'est pété le col du fémur à vélo. Hein. L'an dernier. Ah bon ? Et à l'arrêt, hein ? Et à l'arrêt. À l'arrêt. C'est incroyable. Hein ? Alors
paraît qu'il faisait du vélo tout le temps. Quoi. Sauf qu'il a arrêté peut-être 6 mois et puis... Ah bon ? Et puis voilà. Ah ouais, mais là c'est parce que c'est un petit défaut là. Il a quel âge ton père ? 85. Ah ouais, mais là c'est parce que je pensais un peu là, c'était dans le cours, non ? C'est en cause. Je sais pas. Parce que le vélo, normalement, c'est très fort. 6 mois après, tu t'arrêtes de faire du vélo pendant 6 mois, c'est normal. Écoute. Non, il a été déséquilibré, on ne sait pas. Ah ça, il a été déséquilibré. Il a eu l'impression que la roue était fichée. Ouais, c'est ça. Donc... Non, parce qu'en roulant normalement, non, il n'a pas tenté. C'est pas beau, ça ? Putain, on est au top, hein ? Ça, c'est top. J'ai l'impression qu'on descend jamais. Ouais, c'est très bien. Ouais. C'est fou, hein ? Regarde, on voit devant toi, à 1h. Le fameux étang, la zone de Bordeaux. Ouais, le dernier là. C'est ça, voilà. Ça, mais on est à 1000 mètres, 1100. Ouais. Et c'est l'altitude, c'est 1200, tu m'as dit 900. 900. Ouais, donc, 3000 pieds. On est dedans. Mais bon. Non, on n'est pas dedans encore là. Non, on n'est pas dedans. Non. Si on était à cette altitude dans la zone, on serait. Ah oui, on serait dedans, oui. On serait susceptible de se payer un avion de ligne. Exactement. Mais on a un transpondeur, là. Non. On n'en a pas ? Non. Ah, mais ils nous voient comment ? Voilà. Est-ce qu'ils nous voient au moins ? Ils ne te voient pas. Même pas au radar ? Non, ils ne voient pas même au radar. Ils sont en vol à vue, là. C'est quoi réalité ? Non, mais eux ? Eux, ils ne te voient pas. Ah, eux, ils ne te voient pas ? Ils ne te voient pas. Tout le monde voit réalité, là. Oui, d'accord, maintenant. Ils n'ont pas de petit casse, on n'a pas. Ils n'ont pas équipé, si vous. Ils n'ont pas, ils ne te voient pas au petit casse. Je suis étonné qu'ils ne nous voient pas au radar, quand même. Ils ne voient pas au radar, quoi. Il y a pas assez de masse de tête. On peut passer au-dessus de ce bled là. Ce bled là c'est bon carré. Non, celui-là, c'est Pessac. Hein. Pessac, oui. On peut ? Ah ouais, quand tu regardes l'autonomie nécessaire, c'est quoi comme autonomie pour rentrer ? On a 1000 mètres et on a quoi ? 15 bornes ? Ouais. Ouais, on est bon. On va laisser regarder le faible parquet. Dessous là ? C'est pas un droit, c'est un droit. Où ça ? C'est tout beau. Là ? Dans les bois là ? En bout d'aile, pratiquement. Ah, en bout d'aile ? À 10 km ? À 10 km ? T'as des vignes qui sont côté. Tu vois, tu regardes vers le nord. Tu regardes vers le nord. Putain, je vois rien. 10 km. Je vois ce que ça fait 10 km. C'est parti. C'est ça. On fait du chemin là. Par rapport au terrain. Je vois la 110. Je tombe à moins 1, moins 1,5. 120. 120, ouais. Bon, en fait, tu peux faire des remontes, faut pas. Je suis un peu en retard par rapport à toi, mais pas beaucoup. Il va y avoir 5 km de terrain à peu près. Donc là, c'est mon carré en bas. Là, on est à Montcarré. Moi, c'est là-bas pour Ravel. Alors, on va comprendre. Là, c'est mon petit castillon à la taille. Montcarré. Oui, oui, je vois. Castillon. J'ai une copine qui habite dans le coin, là. Et je cherche. Ça va le radar et le rond-point de Montcarré. Ça repart à monter. C'est pas du tout. Il n'y a pas. C'est là. C'est pas la ressource, non, c'est du thermique. Excuse-moi. Non, c'est pas parce que j'ai pompé trop lourd avec. Trop lourd, hein ? Toujours trop lourd. J'attire mon fil de laine comme un putain d'aimant. Donc le fil droit, voilà. Voilà. Encore à droite, encore à droite. Là. C'est extrêmement exigeant sur la vitesse. C'est rédhibitoire, là. Ouais. On ne peut pas les tirer à droite, c'est pas grave. Ouais. Et on s'en sort, donc on va voir les 50 mètres. Tranquille, pas que les grandes... Pas le château d'eau, mon père. Pas le château d'eau blanc, sur le côté, le château d'eau blanc. À gauche, un château d'eau blanc, un château d'eau blanc. À combien de bornes ? Oh, il est pas... À 3h ? À 9h, pardon ? Sur le côté, château d'eau blanc. Sur le côté. Je vois un château, mais je vois pas de château d'eau blanc. Ah. Parce que très vraiment opposé au château d'eau blanc, c'est le château de mon père. Je vois un château sur une crête.
Il n'y a pas le château d'eau, c'est la tête. Si, je vois le château, ok. Je vois le château d'eau, voilà. Ok. À droite du château d'eau, un peu plus loin, c'est le château de Montaigne, dans le boisé, dans le bois. Dans le bois, ok. Alors, bon, moi je vois, je distingue les tours en ardoise. Ouais. Ouais, je comprends. Là, il est à droite du château d'eau que je vois. Vertical de l'île. Vertical de l'île. Je vais aller à droite, en bas. Ah oui. Attends, attends, attends. Oui, bah quoi? Oui, Méline. J'ai ma cousine qui habite dans le coin. Ben, je sais pas, on va faire des S là. Je fais des S dans le coin. Des grandes lignes droites. Essaye d'avoir ton cœur dans la main. Essaye de sortir comme tu le fais. La TMA. Ou la de TCA, elle commence aussi au flé. Ah, elle est d'accord, par rapport à nous, elle est au cœur de Sainte-Foy. Mais elle touche pas le flé alors. Non, non, mais par rapport à nous, là, la TMA, elle démarre avant l'antenne de l'amphi rouge. Ah, elle démarre. Elle est vers nous. Ah, elle démarre avant. Avant, oui. Pour nous. Oui, oui, oui. Et donc le flé en plein dedans, quoi. Ça c'est dommage. Ben oui, j'ai vu ça. On va rester dans le coin. Ben, une pompe encore. C'est pourri de pompe. On remonte 2 mètres. Écoute, ils l'avaient dit, hein. Ils avaient dit que c'était suivant. C'est toi qui me l'as dit. Ouais, on va. Alors c'est le. Regarde, on va regarder où est bébé. Parce que le bébé est en instruction avec Daniel Martin et mon ami Félix. Ouais, il est où? Il partait vers Saint-Mère-du-Curson tout à l'heure. Ouais. Je vois que d'aller dans le ciel. De ce côté. Il n'y a personne là. Ou alors, je les vois pas quand ils sont dans une vitesse qui est relative à la note, c'est-à-dire soit vers nous, soit en dehors de nous. Et dans les transitions, ouais, je peux les voir. D'abord, c'est quand ils sont sous la terre, ils sont en bas, si tu veux. Ouais. Ils ne brillent pas. Et sur le sol. Ouais. À l'intérieur, c'est sous l'horizon. Alors là, c'est sous l'horizon encore, s'il bouge relativement, ouais, par rapport à nous, hein. Ouais. Ouais, ça se voit. Mais s'il bouge pas, ils sont à la même vitesse que nous, même axe, ou qu'ils nous viennent dessus, ou qu'ils partent, c'est plus difficile. C'est comme les bateaux, hein, pareil. Petit virage à droite, à gauche. On va passer tranquille au-dessus de la piste. Là, on a de la bonne dégueulante. C'est bon. Non, mais c'est bien. Je commence à avoir mal au cul, de toute façon. Au dos. Au dos. Ah bon. C'est le parachute. L'autre est plus confortable. Le bleu, là. Ouais. J'ai plus mal au dos, je pense avoir mal au dos. Ah bon? On est à 600 mètres. 600 mètres. Terra. Moi la zone elle démarre au faubourg de Sainte-Foy. Au faubourg, ouais. Voilà, le pylône à gauche est dans la zone. Ah, il est pile dans la zone. Et les faubourgs de Sainte-Foy, pareil. On va aller voir ce que. Ouais. Allez, ouais.